Bonjour Monsieur Le Guélec, vous Bonjour. êtes le responsable développement pour la région Nord et l'Île-de-France de l'enseigne Vival. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est le concept de cette enseigne? Alors il s'agit de magasins franchisés forcément. C'est un concept de magasin plutôt multiservice qui convient aussi bien au milieu rural qu'au milieu urbain. Et donc ce sont des commerçants indépendants qui viennent s'adosser au groupe Casino pour bénéficier de son savoir-faire et de sa force d'achat. Sur quelle surface développe-t-on un Vival? Alors un Vival aujourd'hui peut convenir à partir de 70-80 mètres carrés jusqu'à des surfaces de 200-250 mètres carrés. Donc c'est vraiment un commerce de proximité par excellence. Est-ce que vous ouvrez de nouveaux Vival? Est-ce que ce sont des sessions? Quelle est la problématique du développement en ce moment? Est-ce que c'est Alors deux grands axes en fait de développement, des créations. Ouais. Avec des projets mairies ou des projets avec des investisseurs indépendants sur des nouveaux locaux commerciaux. Et puis aussi des magasins qui aujourd'hui n'appartiennent pas à notre parc, mais qui sont déjà dans une activité alimentaire et qui nous rejoignent parce qu'ils sont intéressés par les différents points qu'on peut leur apporter. Y a-t-il également possibilité d'avoir des multi-franchisés? Ça arrive. Ce n'est pas un objectif en soi, mais ça arrive. C'est-à-dire que si on a un franchisé qui décide, après quelques temps, d'investir dans un deuxième magasin, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Quel est le profil lambda de vos franchisés? Pas de profil type. C'est l'avantage de ce métier, c'est-à-dire qu'il faut avoir le sens du commerce, une certaine capacité de travail, puisque c'est quand même un commerce d'alimentation, et il se doit d'être ouvert quand les gens en ont besoin. Mais il n'y a pas de profil type. On est ouvert à toutes les candidatures. L'essentiel étant d'avoir un esprit d'entrepreneur et un bon sens du commerce et de l'accueil. Et pour conclure, combien de Vival y a-t-il en France à l'heure actuelle et quels sont vos objectifs de développement d'ici la fin de l'année? Donc aujourd'hui, nous avons 1700 Vival en France, ce qui est quand même conséquent comme parc. Et nous avons un objectif de 200 ouvertures pour l'année 2010 et théoriquement, sensiblement la même chose pour 2011. Voilà. Monsieur Le Guélec, je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le responsable développement pour le Nord et l'Île-de-France de l'enseigne Vival. Merci à vous.